Place un point A. Trace une droite D passant par A. Place le point B n'appartenant pas à la droite D. Trace le segment AB. Place un point C sur la droite D. Relie les points B et C. Quelle figure obtiens-tu? Ce n'est pas facile de s'y retrouver avec tout ce vocabulaire. Segment, droite, point. Avant d'essayer de tracer la figure, voyons ensemble tout ce que cela veut dire. Pour bien comprendre tout ce vocabulaire, prenons ce parallèle épipède. Si je fais une empreinte avec de l'encre, j'obtiens un segment. Un segment est limité par ses deux extrémités. Par exemple, A, B. C'est le segment AB. On le note AB ou BA. Si, à l'aide d'une règle, on continue le segment après ses deux extrémités, on obtient une droite. Une droite est infinie. On la note AB ou BA. Si on continue le segment après une seule de ses extrémités, on obtient une demi-droite. Une demi-droite est infinie d'un côté et finie de l'autre. On la note AB. Le crochet est du côté où la demi-droite est finie. Dans une construction géométrique, quand on demande de placer le point A par exemple, on trace une croix et on note A à côté. Attention, dans une figure géométrique, il ne peut y avoir qu'un seul point A et qu'un seul point B. Alors si on te demande de placer un point A et de tracer un segment AB, cela veut dire que tu vas commencer à tracer ton segment à partir du point A que tu avais déjà placé au départ. Dans une construction géométrique, on peut te demander de tracer le milieu d'un segment. Pour cela, tu vas avoir besoin d'un compas. Tu places la pointe du compas sur l'une des deux extrémités et tu prends l'écartement de la longueur du segment. Ensuite, tu traces un arc de cercle de chaque côté du segment. Tu fais la même chose en gardant bien le même écartement en posant la pointe du compas à l'autre extrémité. Ensuite, tu relis les deux points d'intersection des arcs de cercle. L'endroit où tu coupes le segment est le milieu de celui-ci. Souviens-toi, pour noter un segment de droite en langage mathématique, on écrit AB ou BA. A et B s'appellent les extrémités. Pour noter une droite en langage mathématique, on écrit AB ou BA. Bon, et bien voilà. Maintenant que tu connais tout ce vocabulaire, tu vas pouvoir tracer cette figure sans aucun problème. Et puis tu verras, la géométrie, ça deviendra comme un jeu pour toi après.